Dans les contrées de l'Est, Robert avançait grassement. Cela faisait maintenant 2 semaines qu'il avait quitté la ville, à la poursuite des pierres. Le chemin fut calme et le temps bon. L'engouement était de courte durée. Robert approchait désormais de la forêt interdite. Les premiers arbres se dessinaient au loin. Doucement, il s'en approchait. Une fois arrivé, les chevaux ne voulaient plus avancer. Pas moyen d'aller plus loin. C'est à pied que Robert avançait dans cette forêt sombre. La pluie commençait à tomber. Robert se mit à l'abri entre 2 arbres le couvrant. Mais tout à coup, la foudre s'abatta sur l'arbre. Une branche centrale assommit Robert. Et devant lui, des couleurs vives. Elles dansaient. Mais un peu plus loin, Robert apercevait une fumée noire. La fumée, tel un épais brouillard, l'entourait. Toutes les couleurs avaient disparu, sauf une. Une petite lueur blanche se tenait face à Robert. Il s'approchit doucement, lentement, et tend sa main vers la lueur blanche. Et la lueur blanche, dévorée par la fumée, avança à toute vitesse sur Robert. Il courut, mais la fumée, bien trop rapide, le rattrapa, l'entourant. Robert ne pouvait plus respirer. La fumée était âcre. Il tomba au sol, il s'évanouit. À son réveil, Robert était de l'autre côté de la forêt. Les chevaux et ses affaires étaient à ses côtés. Quelque peu effrayé, il avança vers la prochaine étape, l'Arès. Plus loin, dans les villes obscures de Skull, sur l'île pirate, hommes et femmes accueillaient Barbe Noire, le roi pirate, perdant sous la défaite écrasante des continentales. Pour les pirates, le temps de la vengeance allait sonner. Leur plan d'action visant à siéger le continent allait bientôt frapper, marre de vivre reclus sur une île insalubre, pendant que d'autres vivent grassement. La guerre terre-mer sera sanglante et pourrait bien tout bouleverser. Dans les contrées de l'extrême sud-est aride, Robert avançait à pas de géant. La nuit commençait à tomber. La destination était l'Arès, couramment appelée la Cité du Feu. Il se trouvait dans la ville Passage. Celle-ci amenait passagers et marchandises de la terre ferme à l'Arès. Les transports terrestres n'étaient plus possibles depuis quelques dizaines d'années. Car, il y a de ça 15 ans, une guerre éclata entre 2 puissantes cités. Aujourd'hui, l'Arès n'existe plus, détruit par le feu. Aujourd'hui, le feu est contenu par un mur au sud, coupant le continent de la mer de l'ouest à celle de l'est. De même, au nord, impossible de le franchir. Selon la légende, les flammes seraient éternelles. Peu avant que la nuit tombe, Robert prit la dernière embarcation, allant à l'Arès. La traversée dura 3 jours. Au centre du continent, la guerre continuait de faire rage. Oesto et Esto, épuisés, affamés, les 2 cités autrefois les plus puissantes étaient évincées. La guerre ne pouvait plus continuer. Il fallait y mettre un terme. Ces 2 cités étaient auparavant alliées de la capitale, cité de la paix. À ce jour, plus d'accord, ni de solidarité. La guerre, la destruction rythmaient la vie sur le continent. La capitale figée, portes fermées, commerce à l'arrêt, crise économique et sociale, couvre-feu et famine affaiblit la capitale. Cherchait encore et toujours une solution. Mais le temps passe et le sang coule. Que faire? Telle était la question auquel personne ne pouvait répondre. Mais ce n'était pas seulement la capitale qui était affaiblie, mais bien tout le continent. Face à Robert se tenait l'une des plus puissantes cités, avec 1,5 million d'habitants et un commerce affichant toujours complet. Le bateau avançait sur le canal Panamo. Le Panamo traversait toute la ville de l'Arès, comme une célèbre ville au nord appelée Venio, célèbre aussi
pour son vin déception servi au roi. Bon, revenons à l'Arès. Le bateau accosta dans un petit chantier naval au centre-ville, dans les quartiers aisés de la ville. Autour du chantier naval, le bruit, les gens s'agitaient, les bateaux déchargeaient leurs marchandises. Souvent du vin, des fruits et des légumes, du poisson, de la viande. Un petit marché entourait le port. Une petite aire de vacances entourait Robert. Mais Robert, lui, avait un but précis. Aller à la cathédrale de la Pointe, l'une des plus célèbres capitales du continent. Y enfermant des ouvrages d'exception, des secrets, des connaissances, mais surtout des vérités. Pour continuer sa quête des pierres magiques, Robert devait en savoir plus sur la Grande Guerre. En effet, il s'agit d'un jour que très peu connaissent. Selon certains ouvrages qui prédisent une guerre qui opposerait tous les royaumes au même endroit. Un massacre, peut-être même une fin du monde, car à la fin de ces ouvrages, tous y indiquent que les trois pierres seraient utilisées, ce qui conduirait le continent à sa propre perte. Les chiffres sont effroyables. 16 millions de morts, 20 millions de combattants. Tout le monde sera touché. Pour éviter cela, les ouvrages y annoncent l'arrivée d'un héros sauvant le monde. Mais ils annoncent aussi l'arrivée du mal. Mais avant ça, les bouquins y prédisent également l'affaiblissement des royaumes liés à leur guerre incessante, ce qui favoriserait la victoire aux ennemis. Mais qui sont-ils? Peu savent. Certains diraient que c'est les ténèbres en personne. Une fois dans la bibliothèque, Robert se mit à chercher tout bouquin pouvant lui révéler grand sur la Grande Guerre. Mais Robert, lui, était l'habitué du rangement de livres, on le rappelle. Pour rappel, il était futur maître de la capitale. Il savait précisément là où les livres interdits étaient entreposés. Il alla à l'arrière de la bibliothèque, en effet, une pièce cadenassée dans la bibliothèque. Impossible d'y entrer. Alors, Robert fit demi-tour. Clac ! Entendit Robert. Le cadenas explosa derrière lui. Robert fit un bond de frayeur, et quelle que fût sa surprise de voir que la porte monumentale était ouverte. Sans trop se poser de questions, dans un silence, il avança dans la pièce interdite. Dedans, de vieux livres enchaînés. Certainement, peut-être, 1 million de livres y étaient entreposés. Mais parmi tous ces ouvrages, un tapait. Les chaînes bougeaient et la lumière valsait. Au fond des poussières, un vieux livre qui, en effet, sur la couverture, y parlait de la grande journée. Robert le mit sous sa besace. Le livre ne tapait plus. Robert fut de pas quand soudain, une pierre rouge aux 1000 éclats d'une brillance pure tomba du livre. Robert s'arrêta en la ramassant. Il comprit qu'il avait trouvé la pierre divine du feu. Tel un trophée dangereux, la joie fut de courte durée, car les clochers retentissaient. Mais c'était le bruit de l'alerte. Quand quelque chose n'allait pas, le bruit de 3 coups par coup. Il signalait une anomalie dans la ville. Au même moment, la ville ferma ses portes. L'armée au rempart, couvre-feu, porte fermée, roi protégé, commerce à l'arrêt et marchandises jetées à l'eau. Robert ne pouvait plus rester là. Il prit le dernier bateau et s'en alla vers un destin inconnu. Gardant auprès de lui un joyau envié de tous qui, auparavant, était caché par un certain roi pour que personne ne s'en serve pour une seconde tuerie.